Bon, bon. Ah, Ouais, ferme encore. Mais ta casquette aussi, hein. Super. Oui. C'est rien, ouais, ta casquette. Et je suis barbe, c'est bon. Barbe. Mais ta casquette, t'as le community build. Eh hey, attends. Non, attends, attends, attends. Le critère, il est... Bon, trêve de bavardage, on arrête de dire bonjour, donc on commence cash. Aujourd'hui, c'est une vidéo pas spéciale, j'aime pas dire c'est une vidéo un peu spéciale parce que tout le monde me dit ça, c'est relou. C'est une vidéo différente, on va dire, puisque... alors attendez, je vais vous le montrer. Aujourd'hui, on ouvre un paquet qui m'a été envoyé par ce qu'on peut appeler un partenaire, du coup, qui a une boutique sur Karl Market, qui s'appelle TCGCYO, voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est un petit peu lui qui me conseille, entre guillemets, sur ce que je dois acheter, puisque je suis de retour dans le Yu-Gi-Oh! Game depuis pas très longtemps. Il y en a une, vous savez très certainement ce que c'est, l'autre. C'est une surprise. On va dire que je déroge un petit peu à ma règle, mais pas trop non plus, parce que j'ai une grande confiance dans l'ouverture d'aujourd'hui. On va passer à tout de suite. Donc, vous voyez, quand même bien emballé. Hein. Bien protégé, vous voyez, hein, y a pas de, si vous commandez chez lui, il n'y a pas trop de risque, hein. D'ailleurs c'est tellement bien emballé que ça me vient presque relou. Vous voyez déjà le premier colis, donc ça c'est la facture, je vais pas vous la montrer parce que ça n'a pas d'intérêt, c'est pour moi. Donc la première boîte qu'on a, je sais pas si vous voyez ce que c'est un code de l'éternité qui apparemment est plutôt bien relou à trouver en ce moment. Ça va être la première boîte, c'est pas celle qu'on voit dans cette vidéo. C'est celle-ci. Une boîte cicatrice de bataille, hein. Donc comme vous pouvez le voir d'après l'emballage. Ouais, je jette les trucs chez toi. Je vais faire. Tu vas faire? Tu veux? Ah, je vais. En vrai, je fais le mec, mais je vais tout ranger tout penou après. C'est l'aspirateur. Voilà, je vais passer le ménage, je vais faire à bouffer et tout. Donc pour l'instant, on va ouvrir ça. Il ne manque que deux cartes qui ne sont pas les plus rares. La dernière vidéo, on a ouvert une display entière que j'ai retournée entière parce que j'ai fait ce que je voulais. Cette fois-ci, j'ai foi. J'ai foi dans cette ouverture. C'est pour ça que je me suis permis d'acheter déjà la remplaçante puisque, en principe, cicatrice de bataille sera terminée aujourd'hui. Donc ça, pour l'instant, on verra dans une autre vidéo. On va ouvrir ça. Il nous manque le masque des ténèbres en ultra rare et le revolver dragon en super rare. Ça va aller assez vite comme la dernière fois, on sait ce qu'on veut. Je fais un prono, t'en chopes que une. Un prono? Ouais, puis 5 balles, t'en chopes que une. S'il en chope que une, je lui achète une dispute booster Pokémon. Ah, non, à 5. C'est toi qui vas en choper qu'une, c'est pas moi. Putain, je dis quoi? S'il en chope une. Bref, s'il a raison, on verra, ok? Alors, ah putain, c'est... ah ouais. Ça peut pas se finir comme ça. Non. Faut que ça se termine. Ça commence à coûter trop cher cette histoire. Ça va pas du tout. Pour une extension speed duel en plus, ça commence à coûter beaucoup trop cher. Donc, on va ouvrir. La display. Boum. Alors, on n'est pas là pour l'aminer. Peux je choper les deux dans un même booster? Non. Forcément dans deux boosters différents, les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh putain, j'ai cru que j'avais oublié une carte. Allez hop, c'est pas là. Mais c'est pas grave. Ça commence bien. Ça commence bien. Ça, ce qui est chiant, c'est que comme il n'y a que 4 cartes par pack, il y en a beaucoup, on va les ouvrir pour rien. On ouvre direct comme ça, là, on n'a pas de suspense ici. Là, on a pas le temps de niaiser. Tendu, là. Je te jure, je suis tendu. Si je dois racheter une boîte, ça va pas le faire. Là, je dirais que j'ai jamais où. Ah, ça y est, ça commence déjà à puer du cul. Donc, la première skill card, ça, c'est pour les viewers. En plus, c'est une carte qui sert à rien, et ça sert qu'en speed duel. Donc, c'est juste du collector. Ouais. Ou même pas, d'ailleurs. C'est quoi si j'ai de nouveau un Guildford, là, le mec, là? Je te jure, je pleure. Je te promets, je pleure. Tu veux. Je te jure, je pleure. C'est drôle, un booster. Vas-y. C'est quoi, c'est Masque des Ténèbres et... Masque des Ténèbres pour revolver à dragon. C'est quoi, vas-y, je vais t'en donner quelques-uns, tu me dis pas. Garde le suspense jusqu'à la fin. Ça se trouve, peut-être comme ça va aider, hein. Je sais pas. Parce que bon, à deux, on est plus fort, comme on dit. Allez, hop, c'est que de la merde, ça dégage. Je crois que tu les dis pas, les mots. Je les dis pas. S'il y a ce que je cherche, tu le dis pas. On regardera à la fin de la vidéo. Ça va faire le suspense. Ça va augmenter le watch time aussi, parce que c'est obligé de regarder pour savoir ce que Yohan il a. Moi j'ai de la chatte, moi. Il paraît, hein. Je veux pas trop le garder. La dernière fois c'était pas le cas. La dernière fois c'était pas le cas du tout. Tiens, un petit pour toi. Allez hop, c'est parti. Est-ce que dans ce booster. Et encore une skill card. Allez, c'est parti. Carte les couilles avec vos skill cards de merde. Rendez-moi mon argent. Ah. Hop. Allez. Deuxième skill card de suite, j'en ai marre. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ouais, je te jure. Ouais, et en mine de rien, on a déjà claqué la moitié de la display. Maître artisan Gamil, j'en ai 118. J'en ai 3, voilà. Eh, t'es quoi, vas-y, tiens. Ah, tu me saoules, là. Porte pas chance. Porte pas chance, parce que... Allez. Je
Shy Commander. Yes. T'as ouvert? Vas-y, ouvre, ouvre. Et dis rien. Vous voyez son visage, moi je vois pas son visage. Donc s'il a un truc de ouf, vous êtes au courant avant moi. Mais là, je vous avoue que ça pue. Allez, 3 skill cards. Ça fait, ça nique 3 slots. Après, lui, je sais pas ce qu'il a eu, ça se trouve, il a eu encore une skill card. Pour l'instant, je n'ai toujours pas ce que... Je peux sur les skill cards, j'en ai pas eu. Ça veut pas dire que c'est positif. Mais, voilà, c'est mieux que rien. Eh, mais j'ai même pas de super, j'ai pas de... Eh, ça me fait peur, là, c'est quoi cette ouverture de merde? Pas d'ultra, rien du tout. C'est quoi ce booster de merde là? Même c'est un délire. Là tu t'ennuies. On a combien de boosters de ta tristesse? Et après mec, je viens de tuer la boîte en vrai. Il reste 5, 6, quelque chose comme ça. Oh non, mais c'est pas possible. Mais y'a rien du tout, y'a rien. J'ai pas eu une seule. Si, j'ai eu une ultra en skill card quoi. Tiens, je pense pas l'une. Ouais. Le début de la fin. Début de la fin, c'était avant que je paye. Ah non, mais sans deck. Attends, non, c'est pas possible. Première ultra que je m'en bats les couilles. Un métal mort. Pourquoi vous me faites ça, Konami? Pourquoi vous me faites ça? Mais pas me donner mon masque des ténèbres, là, franchement. Je suis désespéré, je te jure. Je vais devoir racheter une boîte, en plus. Un infernal était super. Waouh, trop bien. Allez, là, ça va être un... Je sais pas, moi. Ça va être un monstre normal de merde, là. Enchanteur écarlate. Mais casse-toi, putain. Je n'ai marre de toi. Je t'ai eu 20 000 fois aussi, là. C'est bon. Tout ça pour que je dépense des thunes. Franchement, bravo, Konami. Franchement, bravo. Ah, Mandragore. Bah oui, bien sûr. Évidemment. Alors, tiens, ça, c'est pour ça. Et moi, j'ai les deux derniers. Oui. La boîte, on l'a assassiné. Peut-être que Johan, en vrai, il a les deux cartes que je cherche et je m'énerve pour rien. Même... Moi, je suis pas très optimiste, hein, je peux pas vous mentir. Allez, voilà, un faucheur de feu. Bah, bien sûr. Évidemment. Si j'étais parti pour ouvrir 3 boîtes, je vais en ouvrir 10, je le sens. Infâme. Allez, le dernier. Une carte magique. Un livre de la vie. Super. Je suis trop heureux. Waouh. Allez, casse-toi. Ultra de merde, là. Bon. Montre-nous ce que t'as. Une hache gravitationnelle. Ça c'est de la merde. Une armure d'insecte, ça c'est de la merde. Un certain bouton. Qu'est-ce que Yuan nous a chopé comme... même le focus te respecte plus. Le focus il se fait sans moi. Le focus il en a marre. Il a dit lui c'est un loser. Voilà, regarde-moi. On a un montre à effet. Ça brille ou pas? Bah Screech, vas-y, casse-toi. Toi tu portes vraiment la place de lire. Début de la fin. Un monstre à effet. Un monstre feu, c'est quoi ça? C'est encore un truc de merde? Bah ouais, forcément un truc de merde. Bah ouais, mon gars. Putain. Il a encore? Oui, il a encore. Il a encore, ok. Allez, les gars. Allez, j'y crois. Ou pas. En fait, j'y crois pas du tout. Qu'est-ce qu'on a? Un monstre. Au moins, déjà, il a eu que des monstres à effet. C'est déjà pas mal. On est sur la bonne voie. C'est un monstre vent. Draconique. Mais casse-toi. Déchaîné. Esprit de combat, cercle en bouton. Encore un. Mais t'as que. En fait, t'es un troll, genre. T'es un putain de troll. Je cherche un... deux monstres à effet, il me sort que des monstres à effet, c'est que de la merde. C'est quoi V? Voyons, t'as la boule de cristal, mais casse les putain. Donc en fait, c'est lui qui a eu toutes les super, et c'est que de la merde. Super, super, putain, c'est pas vrai. Le dernier, quoi. La baleine forteresse. Normalement, à partir de là, du coup, tu sais que ça va mal se passer. Si j'ai pas un des deux trucs que je veux, ça va pas. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Un monstre effet. On commence bien. Un monstre ténèbres. Non, c'est pas ce que je veux. Ouais, c'est pas ce que je veux. Putain. Hey, Johan, faut que tu m'apportes tes chances. Je jure. Sinon, je vais trouver un autre studio. Et en plus, je le paye. Juste pour te faire chier. Alors, qu'est-ce qu'on a en dernière carte? Eh, mais tu m'as sorti que des monstres à effet, en fait. Oh, ça brille! C'est un M? Allez! Voilà, putain! C'est ça qu'on veut! Oh, merde, attends. Je vais mettre les cartes. J'en ai une sur deux. Une suite sur deux. Elle était là. Elle s'est posée sur le canapé, t'as vu? Eh, tu sais quoi? On va changer le concept de vidéo. J'achète les cartes, c'est lui qui ouvre. Je pense que c'est mieux pour moi. Putain, voilà le... Putain! Et tout ça pour lui, et j'ai pas l'autre. Reste tranquille, toi. Est-ce que je triche et je l'achète, genre? Je pense que... Je l'achète, je la mets dans un moteur, je fais genre, je l'ouvre comme ça. Est-ce que je triche? Moi, je vais pas vous demander à vous, parce que c'est pour vous tromper. Putain, voilà. Voilà, putain, ça, c'est bon, ça.
Putain, enfin, le putain de masque des ténèbres de bâtard. Il manque le revolver dragon. Sachant que ça c'est plus rare que le revolver dragon. Et ouais. Du coup, ça fait 4 boîtes que j'ouvre et j'ai toujours pas de revolver dragon. Bon, bah, on va repaquer toutes les cartes et puis on va faire la comment on dit la terminaison d'une vidéo. La conclusion de cette vidéo. Donc on va tout repaquer, on va faire la conclusion de cette vidéo et puis je vous dis à tout de suite. Voilà, donc on a repaqué les boosters. Alors vous en doutez certainement si vous avez vu toute la vidéo, il y a beaucoup de boosters à gagner comme d'habitude. Voilà, donc il y a plein de choses dedans. Comme d'habitude, les quantités ne sont pas les mêmes. Voilà, donc comment est-ce que vous faites pour gagner ces boosters? Bah, c'est très simple. C'est simple. C'est tellement simple que Yoann, c'est comment est-ce qu'on fait pour gagner les boosters? Tu t'abonnes déjà? C'est important. Ah. Tu commentes la vidéo, ok. Si tu veux plus de chance, tu commentes. Tu vas dans la description. Il y a un lien vers TikTok, vers Twitter. Tu commentes, tu fais pareil. Et t'attends la prochaine ouverture. Voilà. Et les gagnants des deux précédentes semaines, pardon, ils vont être en top commentaire. Voilà, je pense que ce sera plus simple pour tout le monde. Parce qu'une fois sur deux, j'oublie de le faire. Donc je mettrai dans le top commentaire de cette vidéo les deux personnes qui ont été tirées au sort dans les deux dernières semaines. Voilà. Et sur ce. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, à part que je stream sur YouTube maintenant, donc rejoins-moi sur YouTube, abonne-toi mec, on est bien, on stream, on rigole, on fait de la voiture et tout, c'est cool. Et des fois, on tue même des gens sur Hitman, et ça c'est cool, ok. Et sur ce, c'est pas que j'aime pas, mais c'est Alexandre, je vous retrouve pour une prochaine ouverture. Ciao.